Ok, alors, hop, que je me remette dessus. Donc déjà, dans un premier temps, Jubel, il a l'éveil vitesse. Donc ça, c'est trop fort en vrai. 113 de speed de base, c'est quand même assez insane pour un mob comme Jubel. Ensuite, donc ses compétences, il a le break def pour 2 tours sur le skill 1, comme tous ses frères, bien sûr. Donc la puissance augmente en fonction du max des HP. On a la provoque, donc coup sarcastique, donc inflige 10 millions de dégâts, donc pour provoquer la cible pendant un tour et augmente jusqu'à 3 tours la durée de l'effet de provocation si tu attaques l'ennemi provoqué. Donc en vrai, si tu fais skill 2 into proc violent et que tu l'attaques, ça peut être pas dégueu en vrai. Ça peut être vraiment pas dégueu. La puissance de cette attaque augmente en fonction du max de tes PV, donc oui. À voir ce que donnent les skill up dans les dégâts, voir si ça augmente vraiment beaucoup les dégâts ou pas. Et le passif, donc erré, réduit de 50% les chances de recevoir un coup critique et réduit le temps de pause à chaque fois que tu es attaqué. En supplément, si tu reçois une attaque non critique, ta jauge d'attaque augmente de 30%. Un petit peu comme Susano. Susano, donc Ninja O. Quand il prend pas de coup critique, son ATB augmente donc de 20% si je dis pas de bêtises. Donc ouais, au clair, voilà. En supplément, ta jauge d'attaque augmente de 20% à chaque fois que tu subis un coup qui n'est pas un coup critique. Donc c'est vraiment fort. Hop. Donc ouais, je pense que avoir les comment ça s'appelle, avoir les skill up, voir si ça change vraiment beaucoup de choses. Mais voilà un petit peu les... Donc oui, c'est un mob défense, 725 de def. Bon, 10k 8 HP, c'est vraiment pas dégueu. Voilà un petit peu les stats. Du coup, ça gêne pas. Non, ça gêne pas. On va regarder un petit peu les runes. Donc j'ai mis... il y a encore de l'amélioration à faire. Donc vitesse, principalement vitesse, PV, def, taux crit. Bon là, j'ai pas de taux crit, mais beaucoup d'HP. En violent gardien, parce que je pense que le violent sur lui, c'est quand même assez insane. Donc ouais, voilà, vitesse, PV, def, taux crit, c'est ce que vraiment je voulais sur lui. J'ai testé avec une rune DCC pour voir les dégâts, j'ai mis PV, DCC, PV. Mais en vrai, les dégâts sont... l'écart est pas incroyable en termes de dégâts. Et la rune PV lui rajoute vraiment un bon... Comment dire, lui permet de tanker vraiment beaucoup plus. Donc ouais, voilà, bon, celle-ci aussi, je peux monter la vitesse, je peux monter la def... donc ouais, j'ai encore quelques runes à meuler slash gemme et en vrai je trouve que c'est vraiment vraiment fort. Mais voilà un petit peu les stacks. Donc on a 40k, 41k HP. Bon, l'attaque on s'en fout. Bon, on a 800 d'attaque, allez on va dire 900. 1300 de DF. La vitesse, c'est pas pas obligé de la vitesse avec son passif. S'il se fait pas crit, il prend 30% d'ATB, donc en vrai il a pas besoin de beaucoup de vitesse. Taux crit 67, ça je trouve ça insane en vrai. C'est pour qu'il fasse vraiment des dégâts. Et ça marche. Bon, pas beaucoup de res. J'aimerais bien augmenter la res, mais bon là c'est. Faut trop en fait. Faut PV, def, vitesse, taux crit. Res, ce serait bien un peu plus de res. Un petit peu plus de précis aussi, pour que ce soit un peu plus régulier, la provoque et les break def. Mais pour l'instant, il est vraiment bien comme ça et il y a des bonnes teams à faire avec lui en vrai. Ok, alors petit Jubel, on va voir ce qu'elle donne. Ok, ça c'est normal. On va voir sur un ah, j'aurais bien aimé proc def. Ah, proc def ? Enfin, un break def ? Ouais, bon, le singe-feu, c'est pas ma faute. C'est fort. Allez, un petit break def par pitié. Nice, voilà. Là par contre, ça va être très très intéressant. Allez, un crit. Nani ? Waouh! Ouais, c'est ça. À 16k dégâts, le mob est en full PV. Okay. Qu'est-ce que tu veux que je te dise à partir de là? Partir de là, c'est stupide quand même. Permaproc. Enfin, 16k dégâts, il vient de mettre. Il est full HP. Ouais, je vais montrer un peu ça. Hey, parfait. Listen. Parfait dans un monde parfait. Refroidissement, on va pas taper Triana. Bon, c'est pas grave, on va mettre l'anti-buff crit. La provoque. Oh, ça crit en plus. On proc Triana. Ok, bon, c'est pas très grave. Oh, ça tape Jubel du coup. Another one. Oh là là, c'est vraiment pas dégueu. Hein. En plus, il est en destru. Vas-y, on va clean tout de suite le. Oh, je me tue.
ou par contre son truc en destruit, j'aime pas trop. En plus, je tape en fonction du max des HP. Je vais pas me heal parce que sinon il va voler tous mes buffs. Ça va être chiant. Là, il va taper fort là. Rek DF. Ah, en plus, ça va passer à travers. Oh, ça passe à travers Triana. Oh, c'est fort de ouf. Mais normalement, c'est win. Another one. Break DF, il me tout provoque. Oh, c'est fort. Ok. En plus, je la reprovoque derrière. Nice. Enfin, c'est. Qu'est-ce que tu veux jouer contre ça, genre? Enfin, tu peux pas jouer contre ça, c'est pas possible. C'est pas possible.